la Camargue. Le gros du roi. Gros du roi. La Camargue. Le gros du roi. Au gros du roi. Au gros du roi. Gros du roi. Au gros du roi. Gros du roi. La Camargue. Au gros du roi. Prétend et marais. Seuls les chevaux se fraient un chemin en Camargue. Ce site naturel protégé et fragile abrite une flore et une faune uniques. Entre culture gitane et kitesurf, les deux visages de la Camargue. La Camargue est le berceau de la discipline. Ce jour-là, un champion du monde, Seb Gara, est l'un des meilleurs espoirs français. Marius Sanchez, 17 ans. L'architecte Jean Balladur a eu l'idée d'installer à Port Camargue un Miami à la française. La marina était née. Mais le vrai luxe dans une marina, c'est ce simple pas pour accéder à son bateau. La Floride n'est plus très loin. Le phare du Gros du Roi ressemble à un jeune gardien. Mais en réalité, il a presque 200 ans. 193 précisément, c'est même le phare le plus ancien de la région. Un emblème. Ça se trouve où le Port Camargue ? Bonne question, Port Camargue. Suivez les mouettes, monsieur. Port Camargue, c'est le port du Gros du Roi. C'est connu ici qu'il y a un super accueil. C'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. Bon boulot là. Bon boulot, c'est pas de chier. Je vois pas mon pêcheur. Nous pourrions poursuivre nos cyclistes vers les plages, mais mieux connaître les pêcheurs est devenu une priorité. En ce moment, la vraie star des étals de poissons, c'est cet octopode, le poulpe. Il devient de plus en plus à la mode. Et nous aimons bien venir en arrière-saison, période tranquille où on profite au maximum de la plage, de l'environnement. Partir en septembre, ce serait le secret des vacanciers les plus malins. Un beau temps continu, une température quasi identique à la pleine saison, et puis une immensité à l'Espiguette qui est quand même exceptionnelle. Alors l'espèce est surveillée de près par les scientifiques de l'Institut Marin. Une zone de 45 000 m² à examiner. Et ce sont des plongeurs bénévoles qui vont s'en charger à la tombée de la nuit. L'Espiguette, un site préservé, classé Natura 2000. Une plage de 13 km qui draine jusqu'à 8 000 personnes chaque jour l'été. Alors comment concilier activité touristique et sauvegarde de la biodiversité? Depuis 2012, la municipalité du Gros du Roi nettoie ses plages à la main. Le Gros du Roi abrite un des plus grands ports de pêche de Méditerranée. Dorénavant, il ne jure plus que par la pêche durable. Grâce à sa manière de pêcher plus durable, il a trouvé une nouvelle clientèle. Au milieu des marais de Camargue, à 2 km à peine de la mer, présalé et air marin, mais même équipement que leurs consoeurs de montagne. Cela faisait 60 ans que le dernier troupeau avait quitté les marais. Au sommet du phare de l'Espiguette, vue imprenable sur la plus belle plage du Gros du Roi. Donc là, on est entouré, on est dans la marina du Gros du Roi. C'est ça, on est vraiment au cœur de la marina. À la liberté des Camarguais. Des gros lins. Des gros lins et des gros laines. Exactement. Mais c'est le phare, ça, non? C'est ça, le vieux phare du Gros du Roi, l'emblème. Ah. Bien de voir d'en haut comme ça. Ah là, c'est la plus belle vue du Gros du Roi. C'est la vieille ville et ensuite on bascule sur Port Camargue avec ses marinas. Vous êtes bien entouré. Le Gros du Roi, c'est vraiment un mélange savoureux de tout. Ah, c'est ça. Les pêcheurs qui sont sur le canal avec leur canne à pêche, les locaux, les pêcheurs qui rentrent, les vacanciers qui sont tous à l'eau. Qui que tu sois, tu vas trouver ton bonheur ici. En tenue traditionnelle, les Arlésiennes accueillent les raseteurs sur la piste. Le face-à-face peut débuter. Olivia est une enfant du pays, un pays qu'elle a perçu très différent cette année, très à cheval sur la nécessité de faire perdurer les traditions. La plage de l'Espiguette, soleil, ciel bleu, petit vent du nord, un cocktail vivifiant pour ces fêtes de fin d'année. Ici, on vient de partout découvrir ou redécouvrir cet endroit singulier. L'espace d'une balade, les promeneurs se retrouvent hors du temps, comme un petit goût de paradis. J'aimerais savoir ce qui vous plaît dans cette Camargue. Vous avez 2 heures devant vous. On peut y aller si vous voulez.